messieurs, bonsoir. Toujours un plaisir pour nous informer ou sous télévision Pacifique. Divers points qui ont dominé l'actualité. Porte-parole adjoint police nationale là, confirmé bandit touillé 1er décembre, qui ont coûté rache dans tête, commissaire Plémont Robert Nantaba. Gagnant enquête PNH à l'ouvrir sous dossier, d'après Gary Desrosiers. Organisation qui relaie collectif 4 décembre a commémoré 5 l'année depuis l'existé. Dans l'occasion, responsable tissage Robert Argand, il paraît regretter de prendre initiative à divers autres citoyens. Ministre de la République lancé un projet assainissement dans 6 départements géographiques paysans qui a coûté 6 milliards de gourdes. Une initiative qui permet aux citoyens dans la communauté de rejoindre le travail, d'après le ministre de la République publique. L'autre bord de l'eau, c'est demain mercredi, enterrement 41e président américain George Herbert Walker Bush a chanté aux États-Unis, c'est une journée d'œil national. Restez branchés pour détails, Madame Messier. En général, moun pa renmen pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manje. Li la pou les deux travers son mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ou avec comment gros problème qu'on entre sous moun sans attendre. Mande Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance di ou, précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si yon pas de jambes konnen ou. Une assurance après rit avec ou pour le jour, continuez vivre la vie ou, quitte ce course là nan men ou. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci parce que vous avez été branché. Ministère Travaux Publics lancé un projet assainissement dans 6 départements géographiques paysans qui a coûté 6 milliards de gourdes. Département concerné, c'est Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Latibonite, Santa Claus. Programme ça qui a duré 3 mois, jeune bourra d'ambassade Taïwan en Haïti. D'après ministre Travaux Publics, l'initiative ça a permis aux citoyens dans la communauté ça rejoindre le travail. Fritz Kayo, dans le micro, dans le circonstant, avec David Mercius, tu as parlé comme ça dans le micro, nous en côté. Département que nous sommes choisis, c'est un département côté nous avons une forte concentration populaire. Alors, objectif là, c'est créer emploi et permettre à chaque monde, chaque population dans la zone populaire. Zone à forte concentration populaire. Et je prends pour au moins au combat dans mes yeux, de capable vivre. Parce que nous connaissons que nous faisons que nous gagnons ou entrer des classes et nous gagnons une période Noël cap approcher. Dans 6 départements, nous avons le Grand Nord et côté que Nord-Ouest, Nord et Nord-Est. Dans le département du Nord-Ouest, nous choisissons Port-de-Paix. Ça, c'est une zone de connaissance qui a forte concentration populaire. Dans le Nord, choisi la ville du Cap ici. Et dans le nord-est, choisi Waname, Trou du Nord et Fort Liberté. Et au niveau du département de la Tibonite, choisi Gounaï, son zone à forte concentration populaire. Et le plateau central, choisi Hench. Et sixième département, c'est Maman Pemba, si ça voulait l'ouest là. Donc nous étions exactement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Son bagage font que les Taïwanais li à hauteur de plus qu'un milliard de gourdes. Et dans l'enveloppe, ça, il y a 37%, ça avec 37% a commencé. Mais Fond Dôme déjà commencé, soit aller en bas la ville là, au niveau de Richard Héron, on va pouvoir que nous commençons le travail. Là, on va bien mieux que 3000 personnes qui vont travailler. Les travaux, c'est des travaux que nous allons faire en régie. Même jour, nous faisons dans la caravane, les travaux que nous faisons en régie. En régie, c'est le seul moyen pour aller plus rapide. Nous avons pas de contrat de main-d'œuvre à des tâcherons. Et pas oublier nos durées de contrat, c'est une durée de 3 mois. Sous longueur totale, là, nous avons intervenu sur 28 km, sensiblement égal à 29 km de route sur toutes 6 départements. Administration Moïse Seyant toujours qu'un programme Caravane Changement, d'après ministre TPTCA, qui bat bravo pour divers projets de construction, route et assainissement qui réalisé dans plusieurs régions dans le pays dans le cadre du programme. Ça. Fritz Kayo, toujours dans le micro, dans le circonstant, avec David Mercius. 4 caravanes qui s'en fait dans le niveau département, au niveau des différents départements. Par exemple, dans l'Ouest, par exemple. Si nous prenons l'Ouest, par exemple,
ça a fait dans l'Ouest. Tout le monde qui est une première, deuxième, troisième cité. Première, deuxième, troisième cité, c'est tout le monde qui passe devant l'église Shalom dans le matin 3. 10 mois, 11 mois avant, Allah donne, regardez qui j'en ai, Kounia, Algade Bouguen. Nous avons fait environ près de 5 km de route, caniveau, plus chaussée. Quand nous avons fait après, là, nous sommes environ 10 km de mise au gabarit de la route, élargissement de la route, et là, tout après, nous commençons à mettre béton sur la route. Ça. Si nous regardons le niveau Bolos, là que nous arrivons, Bolos, il fait nous à peu près environ 900 mètres linéaires de route. Nous faisons 8 ouvrages de traversée là-dedans. Les gens qui connaissent dans la zone Milo, ils ont fait Kafou, Barrière Battant, Kafou Minar, là, c'est dans la zone où ils vont entrer dans l'hiver du Nord, là, c'est 6,2 km. Tout travaux de terrasse pour ça, c'est fini. Mettez 0,40, mais la plein de revêtements. Et Kafou Joff, c'est Kafou Joff pour les pères, il faut environ près de 70 km. Mais pour ce route, nous allons aller avec lui de Kafou Joff, partant de Gonaïve, qui va aller exactement en sa folle. Sous route, ça, sous 5 premiers kilomètres, ça, ou après 5 premiers kilomètres, ça, qu'on y a revêtu. À partir de PK5, là, de PK5 km, là, on prend un fond d'éviation qui pourra laguer sur la route. Là, quoi, parce que, et sous 10 premiers kilomètres, ça, l'emphine qui était PK5 pour atteindre 15 km, là, sont zones qui sont totalement inondables. Sont zones qui sont totalement inondables, que nous-mêmes, nous obligés de faire une déviation. Même si la pluie a fini, même si la zone a inondé, on n'a pas aucun problème. Organisation qui relève collectif 4 décembre a commémoré 5 l'année depuis l'exister. Dans l'occasion, responsable Sictissa, Jean-Robert Gand, il paraît regretter de prendre l'initiative ça à divers l'autre citoyen parce que d'après lui, quelques avancées qui fait dans la bataille pour faire autorité yo respecter droits citoyens yo. Monsieur Gant a parlé particulièrement solide collectif 4 décembre te mené contre un mauvais produit République Dominicaine a voyé sous marché haïtien. Bataille ça pas bail résultat pour te bail à cause complicité autorité haïtienne yo qui permettent marchandises ça yo entrer sous territoire d'après ça Jean-Robert Gant a été déclaré dans journal Pacifique matin jeudi. On a mené combat avec un envahissement produit dominicain et soit ici, nous avons 20 ans pour du filament, nous avons commencé par essayer de bloquer, ou du moins, donc il y a eu des réponses immédiates. Bon, ça n'a pas tenu très longtemps parce que mon petit bouta qui a mesure, c'est les gens qui ont participé au produit à rentrer. En tout cas, mais l'essentiel, c'est que nous pensons que au niveau du collectif, donc c'est un tellement droit qui permettent. Citoyens participer et pour être voir lui-même genre. Responsable collectif 4 décembre et profiter tout critiquer autorité yo qui pa bay la police moyen pour lutter comme ça droit contre bandits qui a terrorisé population. Jean-Robert Gand dit tout le monde gen qu'à sauter parce que même la police qui est responsable pour bay sécurité a victime ba même bandi yo à cause faiblesse institution. On écoute toujours. On voit que au fait il y a attention tout pour connaître ça qu'a fait et au fond qui s'en ouais que le ça dit le rapport yo puisque on est grand nombre de rapport yo c'est vrai mais je fais ressortir carrément la faiblesse profonde de nos institutions notamment des institutions qui sont là pour donner la sécurité aux citoyens c'est la police nationale ça veut dire quoi ça veut dire que maintenant que des côtés que encore une fois nous constatons des zones de non-droit ça qu'on est dans le temps déjà. Et la police n'arrive pas encore à juguler le mal. Et c'est terrible lorsque une population sent-il pratiquement est pris en otage ou bien victime de gangstérisme, de banditisme. Et que l'organisation, l'institution là pour protéger, va arriver en protection de besoin. Parce que même les membres de cette institution tombent sous des balles assassines. Ce combat qui est vraiment, et c'est un problème extrêmement profond, extrêmement grave, et il ne s'agit pas de continuer à lésiner
sur la solution apportée à ces problèmes. Votre parole adjoint police nationale a confirmé bandit touillé 1er décembre qui ont coutrache dans tête commissaire Plymouth Robert dans tabac. Il y a une enquête qui l'ouvre sous dossier d'après Gary Desrosiers qui a annoncé un autre beau arrestation policier Enoch Fédroir qui était la cause dernier incident dans Miragouane-Land côté un monde mouri à caplisé l'autre blessé. Gary Desrosiers dans micro et Edlaine Vernal avec David Mercier de côté. Vendredi soir et tout réseau parlait de ça, de commissaire de police Plymouth Robert, 53 ans, qui est affecté d'inspection générale. Pendant que les films a fait mes business, à peine, et bandit attaqué et il a tué avec un coup de hache. Il était grand arrivé à l'hôpital, la paix, malheureusement, nous perdu commissaire de police, qui fait graduer, qui sortit dans la dernière promotion, classe commissaire de police. N'a pas dit que enquête là en cours au niveau de la police, au niveau de la DCPJ, pour que nous capables d'arriver à identifier moun qui fait zaksa sous commissaire de police là et mettre maintenant colotte li conduire devant la justice. Concernant drame qui est arrivé Miragouane, côté que trois policiers étaient ensemble dans le night club d'à Grand Vésir pendant qu'il a retourné parce qu'il était supposé prendre poste et 23h 4h du matin selon information qu'il y a. Voilà que yo monté machine là. Policier qui derrière tiré côté que gagné un policier agent 1 Jean Alain 22e promotion qui prend deux balles dans ventre pour le moment la prend soin d'hôpital. Gagné tout malheureusement policier Alexis Fédouard 22e promotion agent 1 qui est affecté dans prison en Savo et tué trois balles dans tête. Et c'est policier Enoch Luma, 22e promotion, qui tué policier ça. Citoyen yo dans quartier Matissan mandé pour agent spécialisé la police yo rete nan souhait pour capable continuer sécuriser yo. C'est la journée seulement la police présent particulièrement sur route des dalles. Gen problème à courant tout qui pas gagné qui la cause la police pas qu'arrêté d'après collaborateur Yvenir Silafanor qui parlait de calme apparent dans quartier Matissan. En côté précision. Même te vin cinqué depuis Matissan et 23 jusqu'à ce qu'on bloque ce qui m'a vu bolos. Le pourquoi c'est parce que à chaque fois dans la ville même li nan guerre gagné et monsieur villageois yo même qui qu'on est monté vinn bay backup et les en bas même nan guerre monsieur en l'air tout qu'on descend vinn bay backup et ben depuis le ça et danger pas gagné trop difficulté pour nous circuler Matissan mais toujours avec peur qu'on est monsieur Simoro ben monsieur Idmoro qui toujours campé dans bloc là c'est le matin ouais on passe bloc midi ou après yo passer bloc 3-4 tout après yo mais on commence à faire noir et on s'en fait déjà pas de courant la dernière, chercher les policiers, ou pas aussi monter, si on descend. Mais nous sommes dans la tour, nous avons une machine passée, et bus Santa Maria est passé, nous avons une machine bouge passée, et nous avons marché, et nous avons une qui tout le commissariat commence à prendre timidement. Est-ce que c'est la paix et net allée, nous vous connaissons, mais jusqu'à présent, pas la voie là, je n'ai pas aucun problème dans le Matissan, ni en laisse dans le tout, qui est activité à baisser et reprendre timidement. N'a pas de continuer à être branché, n'a pas de pour vous. Information dans pays étranger. Notre Bordeaux, Madame Messi, c'est demain mercredi en enterrement 41e président américain George Herbert Walker Bush a chanté aux États-Unis, c'est à Pyongyang Day National, hier après-midi, et corps 41e président américain, George Herbert Walker Bush, arrivé dans le Congrès, côté il a commencé carrière politique, li, dans l'année 60. Classe politique là, t'es rendu hommage en présence petite li, George Walker Bush, qui c'est 43e président les États-Unis. Président Donald Trump avec Madame Lee, Melania, t'es participé dans la cérémonie côté le t'es fait un salut militaire et défaillant. George Elker Walter Bush dit pas voté pour Donald Trump en 2016. Ça va empêcher que le présidentiel là t'es venu rendre un hommage. C'est là, nous mettons bout à journal nouveau aujourd'hui. Madame Messier, nous te prenons plaisir pour nous t'informer sous Télévision Pacifique. Restez branchés et bonne journée à tout le monde.